salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2. Et nous sommes bien évidemment avec Claire Redfield et souvenez-vous, on était à l'orphelinat, un lieu inédit dans l'histoire de Claire, étant donné qu'avec Leon, ben, on croise Ada, donc c'est encore une fois différent très clairement. Et on était dans une pièce bien bizarre avec un cadavre en plein milieu de cette pièce. On se retrouve tout de suite devant. Et une musique aussi très très sombre, hein, on va pas se mentir. Donc là on est avec Sherry et là... Ça paraît compliqué cette petite histoire si je puis me permettre. Donc très clairement... Ok, elle est de l'autre côté, aucun souci. Je regarde s'il n'y a pas des petits trucs à piquer à gauche à droite, hein, on sait jamais. On a quelque chose. Où tu vas, Sherry? Je t'ai dit de rester tranquille. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille! Je vous en supplie! Je vais t'apprendre les bonnes manières. Tu vas me le payer! Petite peste! Viens là! Ok mon pote, il a le visage qui fond le bordel. Tu vas regretter d'avoir fait ça. Se casse. Allez-vous-en. J'ai peur. Il bombarde ce bâtard. Au secours. Ok. Faut le semer en haut. Faut le semer en haut. Pauvre imbécile. Oh, il a fait un maté. Je dois me cacher. Ok. On va rester ici, non? Là, peut-être? Hein? Ok. J'ai peur. Il ferme tout! C'est terminé maintenant! La porte est fermée! Oh, c'est trop stylé par contre! Je suis mort. Où es-tu? Montre-toi! Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Ok. Pour récupérer les clés. Fini de jouer. Non, non. Oh non. Je voulais juste voir si je pouvais récupérer les clés. Il va mettre ma part, hein. Vous êtes prise au piège. Oh non, c'est tellement triste. Oh, cette mort gratuite! Oh, c'est embêtant! Oh non, je suis attristé! Je voulais juste voir si je pouvais prendre les clés derrière. Honnêtement, ah, c'est ce que j'aurais à faire. Oh non, c'est terrible. Ok, on va passer par là. On va rester ici, ça me semblait être une bonne tactique. Et dans tactique, les gars, bah, y attaque! Ok. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Non, 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 je suis déçu. Commencer l'épisode comme ça, ça me fait mal au cœur, les gars. Mais bon, c'est un let's play, on laisse tout, hein, c'est comme ça. Où es-tu? Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Bon, de toute façon, tu me désingues quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est réglé. Ok, bon, la porte elle est fermée donc je vois pas par où passer. Oh non. Comment faire? Il fait demi-tour, très bien. Cette petite garce peut pas être bien loin. Putain de merde! Je suis perdu là. Non, mais comment c'est chaud? Ouah, deuxième fois, je sais pas. Sûrement aller sous la petite table avec les deux pieds cassés. À mon avis, dès qu'il passe, ça me semble être le plus logique.
toujours courir quoi qu'il arrive. Caché. Bon, on va rester ici. Ensuite, dès qu'il a le dos tourné, je vais là. Et là, ça veut dire qu'il m'a ouvert la pièce, forcément. Ok. Normalement, c'est comme ça que je vois les choses. Là, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. La porte est fermée. Ok. Où es-tu? Je suis... Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. C'est fort ennuyant. Je vois pas comment faire. Ok, d'accord. Je vois comment faire. Oh non. C'est chaud de ouf. Hein. Cette petite garce peut pas être bien loin. C'est chaud. Putain de merde. Je vais où là, wesh? Oh mon dieu! Je parle pas parce que là. Merde, fais chier! Pitié, pitié, je vous en supplie. Je vais pas passer encore. C'est ta dernière chance, t'entends? Montre-toi! Allez! Putain! Oh, ça brûle! Ok! C'était ça, très bien. Très très bien. Waouh, fallait savoir. Ok. Et on se tire. Salut mon pote. Je te vois. Ok. Ça ouvre tout ça. J'ai peur. Ça ouvre tout ou pas? Allez, normalement c'est bon! Vite! Normalement. Oui, mon gars! Bien sûr que ça ouvre tout! Ça s'ouvre. Quoi? Bien essayé, chérie. Oh putain, cours, sale grand-mère! Oh là là! Tiens, ma clé! Voilà, ça c'est beau! What? Shining! Oh, il a tout dézingué. Il a tout dézingué. Il a tout dézingué. Oh, c'est chaud. Fini de jouer. Non! Maintenant, je te tiens. What the fuck? Il a été contaminé, sa nouveau boss, et il est mort? Damn! Incroyable ce qui se passe. Oh, c'est dingue! C'est totalement dingue! Ah, je kiffe. Je kiffe de ouf. Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais très bien ce que je veux. Apporte-moi le pendentif ou Sherry meurt. Le pendentif? Pourquoi faire? Tu veux que la fille meure? Bien. Où êtes-vous? L'orphelinat. L'orphelinat? Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Sherry va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal... J'y crois pas. Et merde! Bon!
Retour dans le passé, on revient là où Shiri a réussi à s'échapper, hein, on va pas se mentir. Donc on y va. L'enfoiré. Cache-cache, obtenu. Ça, c'est plutôt cool. Oh, il reste un badge quand même ici, c'est très bizarre. Bon. Ah oui, putain, on avait Mister... Putain, c'est incroyable. Mister X qui traîne dans les parages. J'avais tellement oublié celui-ci. Voilà ce qu'on doit faire. On doit quitter ce fucking bureau. On doit faire... Oh la vache. On doit partir par là. Non, même pas, les gars. On doit aller tout en bas. Ah non, il faut pas que j'aille au parking. Il faut clairement pas que j'aille au parking. Il faut que j'aille là, dans le hall principal. Pourquoi? Bah parce que j'ai ça à récupérer, l'armurerie. J'ai peur. Ok. Alors attendez, j'ai un petit souci. Comment on peut faire pour le... Déséquiper, non, raccourci. Voilà. Nickel. Quoi? What? What? Ok, on a quoi en stuff? Ouais. Bon, on va peut-être recharger ça. Il me faut, les gars, moi, il me faut la mitraillette. Hein. Je dois y aller, les gars, hein, quand faut y aller. Oh, mais c'est horrible parce que tu sais pas à quoi t'attendre, en fait, derrière cette porte. Ça se trouve, il est en haut, si ça se trouve, il est en bas. Et moi, je dois aller clairement en haut. Donc, je dois aller là. Monter, salle de stockage, où il y a, rappelez-vous, un zombie dedans. Le hall, il y a un zombie dedans. Passer ici. Aller à la douche. Damn. Bah, allez. J'ai peur. Ok. J'ai peur. J'ai peur de ouf. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ok, on bombarde. Oh la vache. Incroyable. Attends, toi tu es là. Tu te tais. Ok. On va passer par ici. Ok. Quoi? Ah oui, je t'avais mis un couteau sur toi, c'est bon ça. Très bien, maintenant, ça va être un problème. Je peux pas spécialement monter plus haut. Il faut que je descende. Non, il faut pas que... Attends, je me suis fail. Non, je me suis pas fail. Quoi? Ok, je me suis totalement pas fail. C'est bon. Impeccable. Allez, on continue. Ah! J'en ai marre. Ok. J'en ai marre. Impossible. Adieu. Oh la vache. C'est incroyable. Ok. Liqueur sans eau. C'est incroyable, c'est trop. C'est trop. Ok. Oh la vache. Ok. Ça c'est fait. Allez, régale-moi s'il te plaît. Ok. Une note. Lettre aux membres des Stars. À mes copains du Stars. Comment ça se passe au commissariat? Vous tenez le coup face aux vieux Irons? Moi, je reviens tout simplement d'un rencard avec un avion de chasse. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé sous son grand parapluie. L'Europe, c'est génial. Un mois ne suffit pas pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu. Je vais peut-être prolonger mes vacances de 6 mois. Barry n'envisage même pas de me rejoindre.
tu voudrais pas faire peur aux jolies filles, hein? Alors, laisse-les-moi. Gilles, si Claire essaye de te contacter, dis-lui que je vais bien. Chris Redfield. Ça ne ressemble pas du tout à Chris. On récupère très rapidement. Oh putain! Oh l'arrêt! Ok. Aïe! Une petite patate, ça fait plaisir. Oui, c'est bon. On m'a déjà régalé. C'est terrible! Oh la vache! Ok, on va passer par ici. C'est bon, tais-toi, ferme-la. Ferme-la à tout jamais. Bon! Ah putain! Pardon, excusez-moi. Voilà ce que j'ai oublié. Le cadenas ici même. On est passé devant. Comment je peux faire? Ok, j'ai une idée. Ah ouais, mais non, faut que je repasse par la salle de stockage. Il y a le liqueur. Non, c'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort. Faut juste, on va aller calmement de l'autre côté. On va passer... Putain, faut que je retrouve... Oh la vache! Il se passe autre chose. On a la salle de pause ici. Salle de conférence. Là, je attendez, hein, j'essaye vraiment de tout piger. Faut que je fasse le même truc en sens inverse. C'est un délire. C'est un fucking délire. Faut que je refasse le même truc en sens inverse. Waouh! Je vois que ça. Ça va parler chinois parce que j'ai pas la putain de manivelle là. Oh là là! Ok. Non, Marvin. Ok, il arrive. C'est incroyable, hein. C'est incroyable la pression que ça met, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça, évidemment. J'attends qu'ils viennent par ici. Et il y a Marvin de l'autre côté. On va passer par là. Et on repasse. Bah on est reparti. On fait exactement le même chemin. C'est DCM. DCM. Oh la vache, la pression, c'est incroyable. Incroyable. Ok. Ensuite, c'était... Ah non mais attends, je peux prendre un raccourci en vrai. Si j'arrive à aller en haut de la bibliothèque... Ah oui mais c'est la salle de stockage du Jésus. Non mais il faut... Faut totalement que j'aille en haut en fait. Il faut totalement que j'aille en haut. On va faire tout le tour. Putain lâche-moi, fous-moi la paix gros, fous-moi la paix. Toi t'es Z-Forceur toi hein. Tu vas pas prendre l'escalier tout de même. La vie de ma mère qui prend l'escalier ce bâtard. Ok. C'est bon. Bon bah les gars, le casier il attendra. Le casier est clair. Les gars, ça commence. Ça commence à être fébrile de la vie celui-ci. Voilà. Fermé là. Ok. On est bon. On est reparti. C'est terrible tout ce qui se passe. Oh, il est encore là. Il est encore là ce fou. C'est terrible tout ce qui se passe. Ok. Direction, les gars, le parking. On se casse de ce fucking parking. Parce que clairement, j'ai rien à y faire. Poc. Ok. Et vas-y, on descend tout en bas. On bat les couilles. Quoi? Je comprends rien. Où je vais? Non.
Ok, c'est bon, dans son bureau, il y avait un ascenseur, j'avais oublié. Oh la vache, on save. Oh non, mais ressortir de là, c'est incroyable. Il met toujours autant de pression. Je suis pas bien, les gars. Je suis pas bien, vraiment. Hein. Il met toujours autant de pression. On reprend l'ascenseur, hein. Bah les couilles. Hein. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Oh, c'est un délire. Rassure-moi, dis-moi qu'il est en service, là. Yes. Ok. C'est bon. On va pouvoir se casser du commissariat. On va pouvoir ouvrir les égouts et surtout... Oh ok, j'essaye. Bah oui, mais il y a l'autre, là. Je crois qu'il a été contaminé, en vrai. Hein. Il a totalement été contaminé. Hein. On va voir ce que ça va donner. Parce que je pense que c'est un boss. Ah ouais, bah ouais, mais j'ai même pas assez d'armes, en vrai. Allez, go! C'est parti! Quoi? Encore toi? Quoi? 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 Oh, une plante. Oh! Oh! Il sort! Ok, mon pote. C'est pas cool. Il faut me lâcher, monsieur. Tu vas où? Frérot. Ça, c'est un zombie. Oh, merde. Impossible de passer par là. Je suis mort. Il va me dézinguer à l'ancienne. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, il a ouvert, ok. Je vois pas où c'est. Oh là là, c'est trop. C'est trop. Laissez-moi tranquille. C'est quoi ce délire? Allez, on se casse. Hein. Monsieur, faut me lâcher. C'est par ici. Je vois pas d'autre chemin. Oui, bah merci Claire. J'aimerais que tu sois un peu plus entreprenante. Oh la vache. Ok, on passe par-dessus le restaurant. On passe pas du tout par le restaurant. Donc, c'est vraiment Leon qui avait affaire au monsieur avec sa fille contaminée. Donc, je suppose... Ok, l'orphelinat est là. Très bien. Attends. Hôtel. Meurs! Damn it! Voilà, on ligature toutes les jambes. Ça, je connais bien ça. Ok. Bon, ça c'est fait. Non, c'est pas ça. Quoi? Oh non! Ah! Oh non. Tais-toi! Mais c'est incroyable. Non mais là je peux pas. Je peux pas les gars. C'est quoi votre bail? C'est bon, t'es mort. T'as quasi plus de peau. Oh là là. Déballe quelque chose les gars s'il vous plaît. Il y a Mister X qui va arriver. Ok, plus que 12 balles, hein. Plus que 12 fucking balles. On est beaucoup... Ok. Plus que 7 balles. Plus que 7 fucking balles. Allez les gars, régalez-moi un petit peu là. Hein. C'est maintenant, hein, s'il faut lâcher des petites munitions. Ça ferait plaisir, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, madame peut-être, je ne sais pas. Oh. J'ai rien. Ouais, j'y vais sans trop de... C'était la pression de ouf les gars. J'y vais sans trop y croire. Bon ça, ça me fait plaisir par contre, et ça j'y crois. Quoi? Ça craint. Merde.
Oh la vache. Oh là là. Vas-y, saute, frérot. Wesh! Je tire des M&M's ou quoi? Oh là là, mais ouais, mais les gars. Et en plus, il y avait un truc à récupérer dans le casier, dans le commissariat. Quoi? Foutez-moi la paix. Aïe! Non, c'est incroyable. Les gars, il y a... Je vais me foutre en l'air, en fait. Ça sert à rien de continuer dans des conditions aussi terribles. C'est beaucoup trop compliqué, les gars, avec Claire. C'est quoi, ce délire? Ah, ok. Oui, effectivement, on passe donc bel et bien... je vois, oui. N'en dites pas trop, je vois totalement. Donc, c'est bien avec Claire qu'on passe le plus en ville. Putain, c'est... Allez, sors. Quoi ? Vas-y, venez. C'est incroyable. C'est incroyable. On va pas s'en sortir réellement là. C'est incroyable. Trop de pression, trop de tension. Oh là là. Oh putain, il est là, l'orphelinat de mort. Ça doit être l'orphelinat. Ah bah oui. Putain. J'ai pas de balle. Comment ils sont vénères, j'arrive, les chiens. Attends, hein, j'arrive, chérie, mais on va prendre notre temps. Y a pas des balles dans l'orphelinat? On a tous forcément des petits paquets de munitions dans l'orphelinat, les gars. Y a rien de... J'ai pas de quoi me défendre, c'est mort. Là, je vous le dis, y a un boss. C'est fin du game, on remballe. Hein. Une claque dans le cul. J'ai bien dit dans le cul, hein, pas sur le cul. Eh oh! J'ai le pendentif! Eh ouais, mais putain, c'est pas le moment. Allez voir Monsieur Birkin. Ah putain. Ta faute. Trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Mais tout ça. Enfoiré, William. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Ok, c'est rien. Je connais bien, un reflux gastrique, ça arrive à tout le monde. Mettez-lui 30 mg dans ses félanines et on passe à autre chose. Allez, on va save. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les gars. Je sais pas ce qui m'attend. Je suis dans une merde pas possible. Je me suis chié dessus. J'ai quasi pas de munitions. Autant garder le suspense. On verra plus tard. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qui se passe, mais c'est magique. C'est juste énorme. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.